Elle est la légende parmi les légendes du tennis féminin. Martina Navratilova va devoir faire face à 66 ans à son dernier combat pour vaincre le cancer. La célèbre joueuse américaine d'origine tchèque a annoncé lundi qu'on lui avait diagnostiqué deux tumeurs malignes à la gorge et au sein. Elle a dû renoncer à s'envoler pour Melbourne où elle devait commenter l'Open d'Australie. Vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem, Martina Navratilova a assuré qu'elle se battrait avec tout ce qu'elle a et à bon espoir. Les deux tumeurs sont en phase de guérison, a-t-elle assuré. Star du tennis, elle a été numéro 1 mondial pendant 332 semaines entre 1978 et 1987. Martina Navratilova a déjà vaincu un cancer du sein en 2010. Elle commencera son traitement la semaine prochaine à New York.